Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Europa Universalis 4. Comme vous pouvez le voir, c'est une nouvelle session de tournage pour moi. Donc voilà, dans cet épisode, je pense qu'on va s'occuper de setup les fumerolles qu'on n'a pas setup, c'est-à-dire celle-ci. Je dois en avoir une voix ici. Putain, j'en ai beaucoup. Toi, t'es à combien? Oh, mais elle est très faible. 3 kilos secondes, c'est pas énorme. Et toi? À eux deux, j'ai 10 kilos. Ok. Très bien, et j'en avais d'autres, je crois. Alors, il y a celle-ci en bas, là, qu'il faudrait... Ouais. Celle-ci, puis j'en ai encore d'autres, je crois. J'ai celle de Dossaline en haut, là. Ouais, putain, ouais, carrément. Et, est-ce que j'en ai d'autres? Non. Bon, je crois qu'on... Ah non, celle-là, elle est allumée. Celle-ci, elle est en sommeil. Attends, je vais même pas analyser. On va l'analyser. Celle-ci, elle a analysé. Elle est en sommeil, il y en a 30 cycles, ok. Ouais, donc on va faire celle-ci. Je sais pas si j'ai... Non, j'ai pas de plante, hein, ouais. Va falloir faire un circuit de refroidissement, donc. On va déjà terminer ça. Conduite en plan, oui. Oui. Non, si on est bon. Alors, attends, du coup, ouais. Mince. Ouais, de la magmatique, je vais en avoir après. Ouais. Donc ça, c'est le retour. Et ici, on va voir l'arrivée. On va mettre un pont pour que je me souvienne de du sens. Tac. Ici, on sort un petit accès. Je crois que je vais faire aussi un petit waterlock, on va pomper le gaz au milieu là pour qu'il y ait rien, qu'il y ait que de la vapeur en fait en termes de gaz, qu'on ait rien d'autre. Ouais, la magmatique j'en ai là donc ouais, ça va aller. Lui ça va. D'ailleurs je crois que... Ah non si c'est bon. Ouais, toujours alimenté par le cuiseur qui fonctionne toujours parfaitement. Ici ouais, ça a du mal à monter la température. Je pensais vraiment que ça allait être beaucoup plus chaud que ça. Mais toute évidence non. Ah non, j'allais dire, il y a peut-être un échange de température. Après, on pourrait s'en servir pour refroidir le pétrole. En mettant un irradiant, mais bon. Franchement, ça fonctionne comme ça, laissons comme ça. Ça fonctionne pas depuis assez longtemps pour que ce soit... Qu'est-ce qu'elle attend? Ah, t'as passé les 30 degrés, toi? Ah, mais c'est à cause d'ici. Et ouais. On va te faire ça. Ouais, tu pourrais le construire. Alors, au niveau des compétences, on a des trucs à donner ou pas? Ouais, bof. Pas l'impression. Hein. Je peux te donner un peu de plomberie, toi? Non, toi t'as déjà tout ce qu'il faut. Tant qu'on n'a pas amélioré la bouffe, de manière, on pourra pas faire beaucoup plus. Oula, t'es en galère, toi, Stinky. Non, on va la laisser terminer gentiment. C'est quoi, c'est la nuit?
Tiens, et d'ailleurs, on pourrait récupérer ici la magmatique. On pourrait passer ici. 1, 2, 3, 4, oui, si c'est bon, très bien. Ce serait vraiment bien que les choses aillent plus vite, les gars, je vous jure. Putain, il fallait juste le construire. Construit ? Ah putain, il a pas tout ramené. Bon, comme on va avoir besoin de magmatique, hein, on va faire ça. Voilà, là, il y a de la roche magmatique. Ouais, on est content en mine. Ouais. Attends. Pétrole brut 7 tonnes, ouais, très bien. Ah oui, mais oui, c'est vrai, j'avais un robinet là-bas. Ok, ramassez-moi tout ça. C'est super long pour aller chercher le pétrole à chaque fois. C'est vraiment pénible ça. Il est là. C'est bien. Ouais. Bon après faut qu'il passe par là, par là. Bref, un passe, quoique. C'est bien utile de gagner juste cette hauteur là. Ouais, je suis pas convaincu. Vraiment pas convaincu, ouais. Elle m'aspire tout l'oxygène, les bouffettes, là. Je crois que je vais remettre un coup de pied pour ça. En gros, je vais pas prendre de duplicant tant qu'on n'a pas enfin, je vais faire avec ces 12 duplicants pour faire tous les gros setups, toutes les comment dire, tous les préparatifs pour accueillir un grand nombre de duplicants. Et puis on verra quand on a fait ça pour 317 grammes. T'es sérieux? On verra quand on aura fait quand on aura toute l'infrastructure, voilà, pour accueillir plus de duplicants. Et monter à 32 minimum, on verra si on fait plus. Mais vous êtes sérieux? Putain, vous y avez pas accès là? Vous voulez pas prendre 200 kilos? Bah si, t'y as accès là. Vous en mettre un autre? Tiens, voilà. D'ailleurs, les réserves d'eau, elles sont toujours bonnes. Ouais. Pourquoi j'ai fait ça? C'est pour pouvoir tirer 40 kg d'eau seconde. 40 tonnes d'eau. Non. Attends, on a combien dans une conduite? Je sais même plus. 10 kg ici. 40 kg seconde. Voilà. Et pouvoir injecter 40 kg seconde aussi. Et idem pour l'eau polluée. Elle va cracher ce qu'elle peut, on pompera plus tard. Enfin, on injectera un circuit de refroidissement plus tard. Je sais pas si je vais devoir mettre un thermostat pour chaque truc, j'espère pas, on va essayer de faire autrement.
Tiens, d'ailleurs, ici, on va plus utiliser le... Voilà, ça tombe à 10%. Eh, mais attends. C'est vrai que j'avais pas... J'avais pas raccordé. Oh, mais c'est sérieux, les gars? Les 4 kilos, il m'en faut 800. Non, mais il y a un bug, là. Attends. Ah si, j'ai mis activer l'embouteillage, l'auto-embouteillage. Ah voilà, 200 kilos. C'est dingue. On va faire la même chose de l'autre côté. Ça prend un temps de faire tout ça, ça m'énerve. Je pense que vous l'avez compris, mais... Putain, il n'y a vraiment rien de compliqué, quoi. Tu vas où, toi? Ah, tu vas mettre de la phosphorite ici. Ok. Ouais. 249 kilos. Vous avez rien mis de plus, quoi. C'est assez fou. Heureusement que c'est une priorité, haute priorité, parce que sinon, on y sera encore demain, quoi. Et ça y est, c'est l'heure d'aller se détendre. Ouais, bah désolé les gars, ça va stresser un peu, mais elle se réveille dans, ouais, 27 cycles, on va terminer ça. Là, ça devrait peut-être être bon. Je crois que c'est 840 le max, ah non, peut-être un peu plus. Du coup, quand j'aurai fait le vide... Ah ouais, je l'ai un peu collé. Ok, pause. On va mettre du coup une pompe à gaz. Réussir à construire là-haut. Voilà. On va faire le vide. Et je vais décaler ça d'un cran. Du coup, il va falloir refaire l'échelle pour qu'il passe. Ouais. Donc, on va faire un truc comme ça. On va peut-être se garder encore un espace. Tac, voilà. Tu vas... Non. Je veux dire, tu vas te coincer, toi? Ou pas? Non, ça va. Au lieu de pédaler, construit. Oh, pas possible. La logique des duplicants est assez relative. Hein. Voilà, bon, vous pouvez passer. Je vais mettre en neuf les trucs parce qu'ils sont relous. On va décaler. Pourquoi je décale? Parce que cette dalle, on va la remplacer par une dalle percée, histoire que l'eau, quand elle se liquéfie, la vapeur, quand elle se liquéfie, elle puisse tomber et on la récupère ici avec une pompe. Il va me dire qu'il est coincé, tant qu'il a pas fait ça. Ah, c'est pareil ça, allez. Allez les gars!
Bon, ça va aller vite, le vide, par contre. Il y a vraiment une petite surface. Donc ici, il va me falloir une pompe. Ouais. Tac, on va faire la sortie. Et on verra après pour le reste. Un peu de place là, hop. Voilà. Donc, pas besoin de plus, hein, niveau espace. Voilà. Comme ça après je vire ça. On fera la dalle percée ici là. Ça on va démolir l'intérieur. D'ailleurs on peut déjà le démolir. Les équipements uniquement. Tac. Mais vous allez où? Elle est là, la roche magmatique, les gars. Ah ouais, ça, tu peux pas le déconstruire. La roche magmatique. Elle est à côté. Allez. Oh. Mais vous me rendez fou les gars. Allez chercher la roche magmatique, je sais pas où, alors qu'elle est au-dessus, elle est juste à côté là. Bon, très bien alors. Ici maintenant on va pouvoir faire ça. Énergie. Alors. Qui dorment, on va faire ça. Voilà, comme ça on n'attire qu'une refroidissement. Je vais aussi tac faire ça, voilà, ça. Comme ça ensuite on referme. Et après je refermerai là. Parfait. Allez, on fait le ménage en bas, c'est bien les gars. Oh putain, la dernière. Parfait, comme ça on referme. Ensuite on détruit les gaz, l'électricité ici. Et je referme là, et après on est bon. L'acier, j'ai quoi, 330 kg, ça va pas être suffisant. Fini ça.
Yes. Très bien. Bon, c'est une bonne chose de faite. Ouais, c'est bientôt la fin. Ah oui, qui est du jus par contre. Allez. Très bien. Et pour le coup... Alors attends, j'avais pas une conduite qui passait par là. Ah bah parfait, voilà. On va se mettre là ou là. Enfin, sur les deux. Ça comme ça. Tac, tu viens là. Ça m'étonnerait que les deux fonctionnent à plein régime en même temps. On passe en priorité donc par le pont ici. Et si le pont, si c'est bouché ici, on met notre pont et on passe ici. Voilà. Ok. On est loin du vide là? Ah, encore un peu. Hein. Mmh, ouais, non, vas-y. La bouffe en a. On en a plein même. Le volcan, il en est où? Ah, parfait, il se réveille. Elle échauffe pas trop? Non, très bien. On a une quatrième plante sifflante, mais on en a pas sur cet astéroïde, donc à moins que j'en ai au portail, j'en aurais pas d'autres. Ou via l'espace, peut-être. Ok, donc très bien, on va avoir un peu plus de fer, un peu plus de métal raffiné, ça peut pas faire de mal. Allez, que les vides se terminent là. En milligrammes, après il y aura les microgrammes, et on sera bon. Ouais, donc du coup il me faudrait un réseau de... Enfin un réseau, une boucle de refroidissement. Quelque part... ouais, quelque part... excusez-moi, j'ai la souris qui me buguait. Dans ce coin-là, pour partir, refroidir une fumerole, puis refroidir l'autre. Les deux devraient pas fonctionner en même temps, je pense pas. 35 cycles, ah si. Pendant 60 cycles, et toi, 82 cycles, dans 22 cycles. Ouais, si. Donc ouais, il va me falloir un thermostat ici. Hein. Thermostat turbine. Et toi, tu t'es réveillé aussi. Ouais. Donc ouais, j'aimerais bien vraiment que le vide se termine là, qu'on puisse refermer. Allez, on passe en tout B20. Les derniers microgrammes, ils se détruisent d'eux-mêmes, je crois. Là, t'es en microgramme, ouais. Qu'il y a de la destruction de matière à ce niveau-là. On va le voir en direct, de toute façon. Mais il y a un moment où les derniers gaz, il y aura du vide un peu partout, sauf par exemple ici, et puis ça va se détruire, 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 jusqu'à détruire la dernière bulle. Si je me trompe pas. Encore 300 ici. Ouais, ça descend assez vite quand même.
ça descend carrément vite, c'est bien. Plus d'oxygène pollué, quasiment pas, bêta. Regardez, elle va pas se faire aspirer, vous allez voir, et pourtant elle va disparaître. Microgrammes. Je crois qu'on attaque les fusées aussi. Au moins les fusées à vapeur pour commencer les recherches de niveau 3. Pour être bien. Allez, terminez-moi ça s'il vous plaît. 38 microgrammes, 46. Ouais, c'est vraiment la fin de la fin là. Voilà, ça y est, regardez. Elle aspire plus, et pourtant le gaz disparaît. Hop, petit à petit ça va descendre. Tac, 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 voyez. 9, 8, voyez. 7, 6, et ainsi de suite jusqu'à 0. Ok, donc on peut démolir, je pense. J'ai peur de démolir et que ça se repropage maintenant. Regardez, 3, 2... Voilà, hop, ça y est, ça commence à se détruire. Vous voyez, hop, et le vide est fait. On va nettoyer tout ça. Et ensuite on va refermer. Ouais, ce serait bien de le faire. Ça va être pénible parce qu'il va falloir que je construise ça. Enfin, il vient construire ça. Et après je vais faire celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci. Enfin, ces deux on pourra les faire d'affilée, mais il faut d'abord qu'il ait nettoyé ça. Ce waterlock je pourrais le laisser, c'est pas gênant. On va faire un petit tour vite fait sur les générateurs. Il est à combien? 72, ouais, on va dépasser ici avant d'atteindre les 100 degrés. Attends, je viens de voir un truc. Je suis pas relié. Ah si, non, c'est à la fin que je suis pas relié. Mais je pourrais en mettre un de plus. Bah oui, je sais pas pourquoi il détruit lui. Aucune idée, bon bref. Inaccessible, voilà pourquoi. Tu me le dis pas. Voilà, on est bien du vide, c'est parfait. Gland d'arbor, j'en ai plus. Ok, vas-y. Revelu, on va pas forcément en faire. Peut-être un peu pour le distributeur de jus de fruits là, mais pas énorme non plus. Quoi. Allez, on va terminer, très bien. Ici, on va commencer à déblayer la zone, je pense. Là, ramasse ça. Non, tu veux pas, bon. Ok. Pas ni problème. Allez, qu'on termine l'épisode sur un setup terminé pour une fois. Je pense qu'on va pouvoir s'attaquer très bientôt aussi à faire un setup de raffinerie avec refroidissement. Et du coup, ouais, peut-être mettre deux thermostats. En fait, j'aimerais mettre toutes mes turbines au même niveau.
Les turbines qui vont refroidir l'eau polluée qui va liquéfier la vapeur, ainsi que le thermostat qui va refroidir l'eau polluée pour les cheminées de vapeur refroidie, ainsi que les thermostats qui vont refroidir l'eau pour refroidir le, enfin l'eau polluée pour refroidir les turbines. Et j'aimerais si possible que tout ça soit au même niveau. Allez, on y est presque. Et d'ailleurs, on pourrait faire ça. Comme ça, après, je démolis ici. On n'a plus besoin d'y accéder. Je vérifie quand même. Ouais. Après, on est bon. Parfait. Comme ça, on construit là. Je démolis. Et on est propre. Bon, quoique. Pour laisser comme ça, c'est pas gênant. Il passe par où l'oxygène pollué? Regardez. Comment il a fait pour passer? Ah, au moment de la chute, certainement. Allez les gars, putain, pour une dalle. Qui va être le champion? Tu te réveilles dans 23 cycles. Bon, après j'ai l'oxygène à 16 degrés, donc ça va très très bien. Repas mauvais. Et on a de la viande, on a du wrap de champignons, on a plein de choses. Ah, on va attendre un champion, et non, toujours pas. Allez, putain, Lucas. C'est le dernier truc que je vous demande pour ce setup là, vraiment, le dernier. Bah voilà, c'était pas difficile. Allez. Ça, vous avez le temps, si vous le faites dans deux jours, c'est pas grave. Ouais, donc prochain épisode, on fait à peu près la même chose à ce niveau-là. Et peut-être que je mettrai... peut-être que je mettrai mes turbines avec tout ce qui touche au refroidissement dans le coin. Alors est-ce que lui va me gêner? Pas forcément. Ici j'ai un bon socle d'abyssalite là. Ouais. Peut-être une idée de les mettre ici, même si là elle va être gênée, la vapeur. Oh, quoique non, pas forcément. Ouais, je pense qu'on va s'attaquer à ça dans le coin là. Comme ça je mets les thermostes, quoique, attends. Ah bah non, bah ici c'est parfait. À ce niveau là. On fait une boucle par là, une boucle par là. Et je mets la turbine en dessous là. Ouais, ça peut être très bien comme ça. Bon. On s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi l'épisode. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite. Salut à tous.